Merci beaucoup pour de me recevoir aujourd'hui. C'est vrai que c'est un petit peu l'occasion pour nous de revenir sur la question qui est difficile, hein, de l'emploi, de la quantification, de la qualification des emplois, de la transition énergétique et écologique, ce sujet sur lequel on travaille beaucoup au commissariat général, puisque nous avons tout un service qui est consacré notamment aux questions économiques, à la modélisation de la transition écologique dans ses différentes dimensions, et en particulier les questions d'emploi, et au sein de notre service statistique ministériel qui est au commissariat général, où nous avons une partie de l'outillage statistique sur l'environnement, la biodiversité et sur les questions d'emploi avec l'INSEE, mais où voilà, on vous dira combien c'est parfois un petit peu complexe. Donc la façon dont j'ai prévu cette intervention, je vais faire un propos liminaire qui va vous balayer un petit peu l'ensemble des sujets sur lesquels vous souhaitez que j'intervienne. J'ai amené avec moi la spécialiste de la question, qui c'est un sujet excessivement technique, la question d'emploi, et en plus qui nous met dans une situation qui est parfois un petit peu délicate puisqu'elle est très interministérielle. Et donc, il est important, je voulais absolument qu'on puisse vous répondre de la manière la plus précise possible. Et pour ceci, j'ai amené l'experte. Et donc, pour les moments des questions, si celles-ci en particulier sont pointues, je lui céderai volontiers la parole. Donc, et puis, on a également aussi un petit film que je vous réserve la possibilité, en fonction du temps dont nous disposons, de vous montrer un petit peu la manière dont on peut illustrer, il dure 6 minutes, la manière dont on peut illustrer l'émergence des nouveaux emplois dans le cadre de la biodiversité. Donc, je vais essayer de... J'ai une intervention qui est en 3 parties, essayer un peu de montrer ce qu'on a fait... qu'on a fait dans la période 2009-2014 et sur l'ensemble des travaux qui ont été lancés, faire un petit bilan de l'ensemble de ces travaux qui ont été quand même assez nombreux. Ensuite, je reprendrai sur les différentes pistes qu'on peut développer dans ce cadre-là. Il me manque mon grand 2. Les pistes qu'on pourra développer dans ce cadre-là, et notamment comment le bilan qu'on peut faire de ce travail, et ensuite les enjeux et les différentes pistes que nous trace en particulier la loi sur la biodiversité, et comment on pense les mettre en œuvre. Donc, on a évidemment une problématique générale, hein, qui est liée à l'accompagnement de la transition vers une économie verte, une problématique générale qui nous oblige et qui nous a amené à faire un certain nombre de cartographies pour essayer de comprendre l'évolution des métiers, de les anticiper. C'est un exercice qui n'est pas simple, montrer comment les activités s'adaptent et essayer de faire un petit peu d'analyse prospective dans ce domaine-là, même si nous avons une évolution extrêmement rapide d'une manière globale dans l'ensemble des métiers qui sont liés à la transition énergétique et écologique. Donc le premier enjeu qui se pose, c'est connaître ces métiers, essayer de les anticiper, les repérer, les situer dans les filières, dans les branches, et essayer de comprendre quelles sont les compétences qui s'attachent. Donc à chaque fois, on fait bien le distinguo entre l'ensemble des métiers et l'ensemble des compétences qui s'y rattachent. De cette manière-là, c'est un outil de pilotage, hein, c'est-à-dire que ça permettra ensuite aux politiques publiques de faciliter la transition des compétences en capitalisant, en faisant partager les bonnes pratiques et en particulier de mettre en lien des compétences connexes ou similaires à celles qui existent déjà dans des métiers qui pourraient être moins nécessaire dans le futur, l'idée étant d'accompagner l'évolution des compétences de l'ensemble des acteurs. Donc tout l'enjeu, c'est de montrer aujourd'hui à ces acteurs, aussi bien d'ailleurs du côté de l'offre que du côté de la demande de travail, l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle que des acteurs de la transition, bonjour Alain, que cette transition peut se faire, qu'elle peut se faire à moindre coût, qu'elle peut se faire efficacement et que nous mettons en place un certain nombre d'outils qui sont susceptibles d'aider à cette transition. Parmi les métiers de l'économie verte,
les métiers de la biodiversité et des services écologiques sont très spécifiques. Et c'est pour cela qu'il y a un travail de cartographie qui a déjà été mené. Et je vais essayer de montrer un petit peu quels sont les enjeux que nous avons repérés à travers ce travail de cartographie pour ensuite essayer de voir quelles sont les solutions qui sont envisagées dans les actions récentes du gouvernement et comment l'ensemble des parties prenantes, d'ailleurs des acteurs, peuvent se mobiliser dans ce cadre-là. Donc dans la période 2009-2014, il y a un très gros travail qui a été fait pour étudier l'ensemble des métiers. Le comité de domaine, vous vous souvenez très certainement, le comité de domaine métiers de la biodiversité et des services écologiques a réalisé 3 rapports entre 2010 et 2014. Donc il y a un travail assez exhaustif qui a été fait pendant cette période. Et sur la base des recommandations, en particulier du premier rapport de 2010, le CGDD avait missionné l'ATEN, donc l'Agence technique des espaces naturels, et l'Agence de la formation professionnelle, donc l'AFPA, hein, l'Agence de la formation professionnelle des adultes, pour faire toute une série de travaux sur la comptabilisation, la définition, la description, et dans un second temps, l'amélioration de la visibilité de l'ensemble de ces métiers. En même temps que ce travail de cartographie était réalisé, un travail était fait spécifiquement par la Direction de l'eau et de la biodiversité, donc par l'ADEB, pour travailler sur l'écologie, la filière, je ne vais pas dire utiliser ce terme d'écologie, parce que même si finalement il est très utile pour décrire le fonctionnement des écosystèmes, comment fonctionnait la filière professionnelle du génie écologique, comment on peut la structurer, comment on peut travailler directement avec les entreprises et les instituts de formation. Donc cette filière biodiversité et services écologiques correspondait en gros à un certain nombre de métiers qui étaient relativement méconnus. Elle a pu être peu à peu cartographiée, identifiée, grâce à ces études qui ont été soutenues par le ministère de l'Environnement. Donc dans ce cadre-là, des informations sur la qualification des métiers, il y a toute une description par un certain nombre de fiches métiers qui ont été faites, et la quantification des emplois ont pu être mises en évidence dans 2 grandes catégories principales pour plus de lisibilité pour l'ensemble des acteurs. D'abord, il y avait 25 métiers qui sont vraiment des cœurs de métiers de la biodiversité, qui correspondent en gros à l'étude, la préservation, le maintien et la restauration du bon fonctionnement des écosystèmes. Donc on est dans le cœur de la biodiversité. En gros, ces 25 métiers se situent essentiellement dans le secteur public et c'est dans ce cadre-là que la future agence de la biodiversité en sera le plus gros employeur. Alors, pour être un peu plus précise, par ordre d'importance quantitative, les cinq plus gros métiers que l'on peut recenser, ce sont les gardes nature, les agents d'entretien du patrimoine naturel et paysager, les assistants administratifs d'un organisme dédié à la biodiversité, les techniciens de recherche en biodiversité et les chercheurs enseignants en biodiversité. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que dans l'ensemble de ces métiers, on a des métiers qui vont du CAP jusqu'au métier d'ingénierie. On a donc un panel de compétences mobilisables qui est très intéressante pour une filière parce que ça permet le déploiement de formations qui sont adaptées vraiment à tout type de profil et à des compétences diversifiées. Donc ça, c'est 25 métiers du cœur de biodiversité. Ensuite, il y a 15 métiers qui contribuent à la préservation et qui intègrent des activités et des compétences qui y participent, mais qui sont un petit peu plus collatérales. Ces métiers, si je vous donne un certain nombre d'exemples, là encore, on a évidemment tout l'enseignement, donc les enseignants d'une manière globale, les formateurs autour des questions de sciences de la vie et de la terre, les ouvriers d'exploitation agricole ou forestière et les ouvriers exploitation assainissement. Donc on a des professions qui contribuent à la préservation. En dehors de cette description fine de l'ensemble des métiers qui étaient en émergence, qu'on a réalisé à ce moment-là, on a fait une cartographie des organisations professionnelles représentatives. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un vrai foisonnement qui montre effectivement que ce sont des métiers qui sont intégrés
auprès de branches différentes qui correspondent véritablement à des organisations, à des types d'entreprises très variables, puisqu'il y a jusqu'à 8 branches professionnelles, 10 conventions collectives et des syndicats ou des unions professionnelles. Donc on a, là encore, on a des compétences qui sont d'ailleurs très intéressantes en termes de diffusion de l'emploi parce qu'elles sont susceptibles de s'intégrer à des organisations, à des branches et professions extrêmement variées. C'est un avantage en termes de diffusion et de développement de ce métier. C'est un inconvénient en termes de structuration, effectivement, puisque pour organiser le suivi ou le pilotage, c'est un petit peu plus difficile. Alors, j'en viens à mon deuxième point, les enjeux actuels des métiers de la biodiversité. Comment est-ce qu'on structure, comment on travaille la structuration de la filière et l'adaptation des emplois. Alors, c'était en particulier un des points du troisième rapport du comité de domaine biodiversité et services écologiques qui avait fait à l'époque le constat que les politiques et les dispositifs d'accompagnement n'étaient pas toujours adaptés aux enjeux de la filière, qu'il y avait un grand besoin de se structurer, donc éclatement des métiers, éclatement des compétences, difficulté à les intégrer dans des parcours, et que l'offre de formation initiale et continue était très inégale, pas toujours adaptée aux besoins des employeurs. On était là sur la mise en route de formation initiale, qui était faite de façon d'ailleurs assez volontariste par un certain nombre d'enseignants, mise en place d'unités de valeur dans des formations initiales ou de modules de formation continue qui étaient réalisés de façon peut-être un peu volontariste et pas très structurée, mais aussi qui correspondait, il faut le dire, à l'état d'émergence de ce type de métier. Ce constat aujourd'hui, qui a été fait en 2014, est pas tellement différent aujourd'hui, un an et demi plus tard. On a encore des difficultés les différents acteurs de la filière ont encore des difficultés à définir précisément les contours de celle-ci et les métiers et les activités qui la composent. Elles ont du mal parfois à trouver une vision commune des besoins, une vision commune des besoins des emplois, en termes d'emploi et d'action, et notamment en termes d'adaptation des formations. Donc on est dans une phase qui est une phase d'organisation, de structuration qui n'est pas encore... Qui doit encore être poursuivi. Et dans ce cadre-là, bon, quels sont nos objectifs, au sein du ministère? Donc, organiser et faire reconnaître une filière spécifique de compétences, à la fois en termes de personnel et en termes d'entreprise, filière de compétences qui est encore mal définie, cette filière d'ingénierie écologique, en gros, qui est définie comme ça, elle est encore mal connue, mal identifiée, bien que l'on reconnaisse son extrême technicité pour les entreprises qui la mettent en œuvre. Il y a une véritable technicité dont on reconnaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va du CAP jusqu'à l'ingénieur, on reconnaît qu'il y a des besoins de techniciens à des niveaux extrêmement différents, mais elle n'est pas encore complètement identifiée. Bon, d'une manière générale, d'ailleurs, ça correspond à la vision qu'a la société civile, les employeurs et les grands secteurs, les grandes universités, les instituts de formation ont aussi une perception de ce métier, de cette filière, qui n'est pas complètement calée. Donc, mal identifié tant dans les secteurs de la formation et de l'emploi que par les employeurs et les donneurs d'ordre. Donc, on a à la fois, on sait identifier un certain nombre de compétences, on ne sait pas complètement identifier les métiers. Donc, nous, on voudrait accompagner cette organisation et faire reconnaître cette filière de compétences, préparer et accompagner le passage entre cette première étape où des professionnels sont employés par la puissance publique, en aménagement du territoire, dans les zones protégées, qui est donc la puissance publique, qui a été quand même un des premiers promoteurs à reconnaître la spécificité de ces métiers. Donc, ils sont employés par la puissance publique ou sur des projets d'infrastructure je reviendrai tout à l'heure sur ces enjeux qui sont importants. Donc, ils sont employés dans les transports, les grands lieux de mobilisation de ce type de compétences sont particulièrement visibles dans la réalisation des études d'impact, des évaluations environnementales. Donc, les porteurs de projets, essentiellement
l'État dans ces domaines-là ont été les premiers à se mobiliser. Mais il faut passer, en fait, de la diffusion de ces compétences employées par la puissance publique à une étape numéro 2, où ces compétences qui sont liées à la préservation de la biodiversité intégreraient d'une manière globale les entreprises de tous les secteurs d'activité, en raison de l'importance qui est prise par l'objectif de préservation et de restauration. Et d'une manière générale, à l'intégration, notamment dans les études d'impact, évaluation environnementale au sein de l'ensemble des projets, de ces questions de biodiversité qui, c'est vrai, jusqu'à maintenant, n'étaient pas complètement intégrées. Donc il y a aussi un apprentissage qui est fait par la maîtrise d'ouvrage. Et nous, on voudrait que cet apprentissage qui est quand même relativement bien avancé au niveau de la puissance publique soit maintenant percole, on va dire, dans les autres secteurs. Donc ça, c'est un des domaines sur lesquels on travaille particulièrement, et aussi au sein du commissariat général, puisque nous jouons un rôle clé dans la diffusion des savoir-faire et des méthodologies relatifs aux évaluations environnementales et aux études d'impact. Donc on joue, c'est vrai, un rôle important de percolateur à partir du moment où c'est intégré ou pris en considération dans les évaluations environnementales des projets. Nous qui préparons les dossiers en amont pouvons jouer auprès des autorités déconcentrer ce rôle de passage de bonne méthode auprès des porteurs de projets qui sont des porteurs de projets privés. Donc on veut vraiment jouer ce rôle-là. Ça prend du temps et on en est bien conscient, mais enfin en tout cas on est vraiment dans notre rôle d'animateur, en particulier d'animateur des territoires et des autorités déconcentrées de l'État. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, on voudrait structurer donc une filière des entreprises du génie écologique. C'est un très joli nom, hein, le génie écologique qu'on trouve, et lui donner vraiment les conditions d'une vraie compétitivité nationale et internationale. Donc la structuration de cette filière biodiversité et services écologiques va demander un vrai travail d'homogénéisation, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, 8 branches, 10 conventions collectives, 4 organismes paritaires collecteurs agréés ont été identifiés, et encore, on n'est pas complètement sûr que notre liste soit exhaustive. Et on sait qu'il y a certains métiers qui appartiennent à aucun de ces organismes ou branches. Donc on a encore un vrai travail de structuration, de diffusion à faire. Alors quelles sont les pistes qui sont envisageables? Je vous l'ai dit, je vous ai dit ce... commencer à le soutenir, à le tracer, hein, notamment dans notre rôle d'animateur d'autorité déconcentrée, de travail avec la direction de l'eau et de la biodiversité au sein des territoires dans le domaine de l'évaluation environnementale. Mais je voulais aussi vous parler un petit peu des outils juridiques qui sont d'abord le projet de loi de la reconquête de la biodiversité, du plan de programmation de l'emploi et des compétences de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et ensuite deux autres outils qui nous paraissent intéressants. Alors d'abord, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, nature et paysage, comprend dans son titre 3, vous le savez, donc la création donne des missions à l'Agence française pour la biodiversité, et dans ces missions, il y a quand même un certain nombre de missions de participation et d'appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale. Alors, c'est extrêmement important, puisque vous savez que l'interface que l'on peut avoir, une des difficultés que l'on rencontre dans les métiers qui sont liés à l'environnement, c'est l'interface que nous pouvons avoir avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous ne sommes pas le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a un fonctionnement, une définition, vous le savez, des cadres de formation sur lesquels nous n'avons pas complètement la main. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un vrai travail. Tout. C'est pas moi qui l'ai dit, Nathalie. Hein, j'étais hyper correcte. Hein, nous entendons extrêmement bien avec le ministère de l'Éducation nationale. Elles sont toujours toutes les deux ensemble. Donc, tout à fait. On a des relations cordiales et tout à fait intéressantes. Ce qu'il y a, c'est que c'est une jungle. C'est une vraie jungle, hein, les formations. Donc, il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir agir sur les programmes, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et le fait que ce soit inscrit
dans cette loi. Voilà, ce n'est pas une formule creuse, c'est vraiment important que ce soit inscrit dans le texte de loi, puisque de ce fait, l'AFB pourra véritablement impulser des évolutions importantes à tous les niveaux de formation. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, elle a un rôle, donc elle récupère, vous savez, le rôle de l'émission de l'Athènes, qui avait travaillé précédemment sur ces exercices de cartographie, définition des enjeux, etc. Elle récupère les métiers, la mission de structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques. Et donc, elle va continuer, développer toute une série d'outils qui avaient été démarrés, mis en place par l'Athènes. Des outils comme le répertoire des métiers, le dictionnaire des compétences, le site internet des métiers de la biodiversité. Je pense que il y a un rôle très important à jouer par l'AFB de communication, de mise en lisibilité, d'appropriation du grand public sur ces métiers-là. C'est pas tout que les formations existent, il faut qu'elles fassent envie, que les jeunes s'y engagent, que nous ayons des reconversions dans ces secteurs-là. Et le rôle de l'AFB va être, à mon sens, extrêmement important pour faire connaître ces métiers, les diffuser. Voilà. Il faut qu'ils se saisissent de ces questions-là, qu'ils participent au forum des métiers, qu'ils montrent que l'on peut évoluer dans ces métiers, d'où l'intérêt de la structuration de la filière et de la reconnaissance par les branches pour qu'il y ait une progression possible et un investissement, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une vraie appétence des jeunes pour ce type de métier. Ce sont à la fois des métiers intéressants, des métiers à enjeu pour le futur, des métiers avec une vraie technicité, des métiers qui font voyager. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, ce sont des outils que je voulais quand même mentionner dans le cadre du projet de loi de reconquête sur la biodiversité. Dans le cadre du plan de programmation emploi et compétences de la LTE-CV, donc la loi prévoit de doter l'ensemble des parties prenantes d'un outil de gouvernance et cet outil, c'est le plan de programmation de l'emploi et des compétences. C'est l'article 182 de la loi qui ne touche pas évidemment qu'au métier de la biodiversité, mais en particulier qui s'intéresse directement quand même, enfin qui s'applique directement à ces métiers-là. Et il doit avoir cette vision prospective de l'évolution des métiers. C'est un sujet un petit peu difficile. Indiquer les besoins et les évolutions en matière d'emploi et de compétences, et en particulier territorialiser ces besoins pour qu'il y ait une appropriation par les territoires en fonction des enjeux des territoires spécifiques. Les besoins des territoires littoraux ne sont pas les mêmes que les besoins des territoires montagnards ou des territoires sur lesquels il y a de fortes zones Natura 2000 ou des territoires sur lesquels il y a des gros projets d'infrastructure avec des mises en place de séquences éviter, réduire, compenser qui seront à faire dans les années qui viennent. Donc il y a une territorialisation de cet outil qui va être mise en place et qui va tenir compte évidemment des orientations qui sont fixées par la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, et les schémas régionaux climat, air, énergie. Donc on a ce plan de programmation qui va se situer bien à l'intersection des besoins des territoires, de l'impact de la PPE sur ces territoires et des objectifs fixés par les territoires dans le cadre des RCAE. Ces programmes, et là aussi, nous, on joue un rôle important, puisqu'on agit dans les territoires, le CGDD agit dans les territoires, et va contribuer à l'établissement va faire partie de ce dispositif de gouvernance, et va aider à l'appropriation de ces questions, et à la mise en exergue de la potentialité en emploi vert de cette filière biodiversité dans chaque territoire. Ça va être précisé dans ces plans de programmation. Donc on se donne une vision, et puis on sait aussi pourquoi c'est complètement nécessaire, parce que les formations, vous le savez, elles ne s'inventent pas du jour au lendemain. Hein. Il y a nécessité d'agrément des formations, il y a une certaine inertie à la mise en place des formations, quelles qu'elles soient, et donc il est complètement nécessaire, si on veut sortir des cohortes, dans 5 ans, il faut immédiatement mettre en place les formations, obtenir les agréments, etc. Donc tout ça est assez long, d'où notre travail en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, mais la nécessité de ce plan de programmation.
Donc, on va préciser les modalités opérationnelles, de mise en œuvre opérationnelle de ce plan. Et on en a discuté dans la dernière conférence sociale. En particulier, il y avait une table ronde qui était consacrée spécifiquement aux questions des enjeux en termes d'emploi du changement climatique, qui avait été présidée par Ségolène Royal. Et on a beaucoup discuté, en particulier, de la façon dont on va mettre en place ce plan de programmation, en particulier au sein des CNEFOP. Et ensuite régionalement au sein des CREFOP. Donc il y a une vraie réflexion qui a été entamée là-dedans. Le ministère, à l'issue de cette conférence sociale, le ministère a décidé de demander à être plus présent au sein des CNEFOP, puisque pour l'instant il n'est pas représenté, mais il est apparu comme une évidence la nécessité qu'il y soit, et c'est aujourd'hui reconnu. Donc on va œuvrer pour que ça soit effectivement le cas très rapidement. Donc on va créer les conditions de réussite de ce croisement, hein, entre dialogue social et dialogue environnemental. C'est un croisement qui n'est pas simple. Voilà, on va le dire comme ça. C'est une conclusion. Presque. J'ai presque fini. Je suis un petit peu trop longue. Les deux autres points, je voulais insister là-dessus. Soutien au développement de formation en lien avec la filière biodiversité. Alors, de manière un petit peu plus ad hoc, nous, on a une possibilité, pas forcément en parlant de grands diplômes nationaux, mais il y a des diplômes d'université, des nouvelles formations qui se développent, et on fait appel au ministère de l'Environnement, et en particulier à nous, pour aider à piloter ces nouvelles formations. Récemment, on a soutenu à la Commission nationale de la certification professionnelle l'opportunité de création d'un diplôme d'ingénieur en génie biologique. Donc, voilà, les choses avancent. Et puis, au niveau européen, je vais terminer au niveau international, on participe aux travaux européens en lien avec la biodiversité pour soutenir l'importance des métiers de la biodiversité. Et notamment, dans le cadre d'une décision du Parlement européen du Conseil de 2013 sur le programme d'action pour l'environnement à l'horizon 2020. Ce programme d'action s'appelle « Bien vivre dans les limites de notre planète » et qui prévoit que pour faire de l'Union une économie efficace dans l'utilisation des ressources vertes, compétitives et à faible émission de CO2, il faut que dans le cadre du 7e programme d'action communautaire pour l'environnement soient développés des programmes de formation axés sur les métiers verts. Donc, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Bon, c'est la temporalité européenne, hein, mais ça vient d'être mis en place et on y participe activement. Donc, pour faire valoir et faire reconnaître, c'est aussi indispensable. Vous savez que les formations, les jeunes voyagent, il faut que les formations soient reconnues au niveau européen et qu'on ait des équivalences en termes de CTS entre, pour que les étudiants puissent passer, voyager d'un pays à l'autre et faire reconnaître leurs compétences. Excusez-moi si j'étais un petit peu longue. C'était parfait. Merci beaucoup, Laurence.